J'étais à deux pas de me marier, jusqu'à que la vie me fasse un croche-pied. Travailleur acharné, mais ce matin-là, j'suis pas allé au boulot. J'ai rendez-vous chez ce médecin qui deviendra plus tard mon bourreau. J'espère rien d'alarmant, je touche, je crache du sang, un mal de gorge incessant. Un peu stressé, j'allume une cigarette pour me détendre. J'écrase mon ego et je rentre dans la salle d'attente. Le docteur m'appelle, je m'assois en face de lui. Pas un mot, pas un bruit, j'ai compris. Ma bronchite cache quelque chose, un cancer. Allez me fumer en quelque sorte. Qui appelait ma copine ou mes potes? À qui la faute? À moi ou la clope? J'ai une brune dans le cœur, une blonde dans les poumons. Dans un nuage de fumée, je meurs. Ce fut mon jour le plus long. Condamné à vivre le meilleur ou le pire. Comment choisir entre le rêve et le cauchemar? Quand c'est trop tard, ça sert à rien de se mentir. Impossible de faire marche arrière, personne n'est à l'abri. Un jour peut changer ta elle vie. Elle était brune, les yeux marrons, typée nord-africaine. Elle était belle, sage à l'école, mais remplie de séquelles. Rêver comme les autres de partir de chez elle. Artifice avec son homme, mais au final c'était un jour de peine. C'était le jour où elle voulait être femme, comme toutes les sœurs du quartier, dire le oui devant l'imam. Un amour titanique, un couple magnifique, une belle famille qui l'acceptait malgré qu'elle soit une fille d'Afrique. Mais bien souvent chez nous les coutumes brisent les rêves. Je la revois danser en robe blanche, entendre les klaxons du cortège. Travailler sans sourire pour les photos au parc, s'imaginer des bambinos courir dans un appart. Mais un matin, le malheur frappe à la maison. Ça part d'échange de dot sans aucune présentation. Et là son père lui donne le billet de la fierté. C'est au pays que notre petite sœur ira se marier. Tous condamnés à vivre le meilleur ou le pire. Comment choisir entre le rêve et le cauchemar? Quand c'est trop tard, ça sert à rien de se mentir. Impossible de faire marche arrière, personne n'est à l'abri. Un jour peut changer ta vie. Le visage ferme depuis le jour où j'ai vu partir mon fils. Que Dieu le garde, le pardonne de ses bêtises. Déjà 2 heures, il venait à peine de se lever. Première parole, comme d'habitude, obligé de l'engueuler. Je me plaignais envers lui qui ne faisait rien de ses journées. Lui demandais d'où il venait, tous ses vêtements qu'il ramenait. Me répondait rien de clair, mais seulement que je le saoulais. Une réponse que mon quotidien a eu du mal à encaisser. Il claque la porte, rejoint ses potes, en bas du bloc. Du haut de mon balcon, je le vois, tout en fumant ma clope. Tout à coup, je les vois tous éparpillés. Mon regard sur mon fils, je voulais savoir où il allait. Je le vois s'approcher de cette voiture à l'arrêt. Ouvrir la porte et s'acharner sur cette femme un peu âgée. S'accaparer de son sac qu'elle ne voulait pas lâcher. En essayant de prendre la fuite, une voiture l'a renversée. Et c'est ce jour où j'ai perdu mon fils. Tous condamnés à vivre le meilleur ou le pire. Comment choisir entre le rêve et le cauchemar? Quand c'est trop tard, ça sert à rien de se mentir. Impossible de faire marche arrière,